Le cinéma est un jeu de miroir constant, un cinéaste en regardant un autre, se projetant au travers des traits de son œuvre ou de sa manière de capter un regard ou une émotion. Le réalisateur dont on va parler aujourd'hui est un amoureux transi de cinéma, ainsi que des différents auteurs et genres qui ont parcouru son histoire. Michel Hazanavicius est un réalisateur d'origine française qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 25 ans. À mes yeux, c'est clairement l'un des meilleurs cinéastes en activité dans la production audiovisuelle francophone. Un auteur capable de comprendre le cinéma de manière viscérale, au point de réussir à en digérer les moindres codes, les moindres détails et les moindres gestes caractéristiques de chaque genre et de chaque cinéaste. Au fil de ses films, cet auteur a su imposer un style unique, un mélange de pastiche et d'hommage où la maestria d'un geste se mêle à la justesse d'interprétation d'un instant de cinéma où l'hommage devient une création originale. Hazanavicius est bien plus qu'un simple penseur qui s'inspire des autres, comme certains ont tendance à le dire. C'est un vrai créateur de cinéma et un amoureux total de celui-ci. Il en saisit chaque parcelle, en comprend chaque seconde et parvient à retranscrire cela au travers d'œuvres complexes, mais souvent ouvertes au plus grand nombre. À chaque film, Hazanavicius laisse plusieurs niveaux de lecture, souvent basés sur un genre, un style, un geste, une manière de penser et de concevoir une œuvre de cinéma. Comme si, bien au-delà de simplement s'amuser avec un genre ou un style, il voulait avant tout donner un sens à ce jeu avec le spectateur. En parodiant ou en posant un film comme un pastiche d'un style, l'auteur français cherche avant tout à démontrer que le cinéma, aujourd'hui, c'est avant tout l'histoire d'un homme qui est un jour tombé amoureux d'un cinéaste, qui a su le digérer, le comprendre, l'aimer plus que tout, afin d'être capable ensuite de profondément le comprendre et de saisir chacun de ses gestes d'auteur. Michel Hazanavicius projette dans son œuvre un miroir, celui d'un homme qui voit dans son reflet l'image qu'ont imprimé de nombreux cinéastes sur lui. L'image d'un homme qui se voit en eux et qui un jour a été tellement passionné par leurs œuvres qu'il a décidé lui aussi de jouer avec cet art et de les prendre comme modèle. Film d'espionnage, cinéma muet, comédie romantique, drame épique et historique, le cinéaste a choisi d'aimer tout ce qu'il y a dans le cinéma et de ne pas simplement jouer avec l'humour, comme beaucoup l'ont imaginé au début de sa carrière, notamment avec son passage sur Canal+. Non, 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 bien au contraire. De par ce passage par la télévision, Hazanavicius a compris qu'il pouvait se permettre beaucoup de choses, et a ainsi décidé de traduire cela au sein d'une filmographie où l'humour est prépondérant, mais jamais plombant. Comme si une blague ne devait pas être à rallonge, mais simplement se limiter à une question, une chute et un rire à la fin, sans rien de plus. Se posant alors comme un artiste jouant avec le cinéma, puis avec le spectateur, Hazanavicius donne alors à son œuvre une forme d'hommage brillant. L'hommage d'un cinéphile à un autre, cet auteur devient alors le passeur de flambeau d'un homme gardant son œil dans un objectif de caméra vers un spectateur gardant ses yeux rivés sur un écran. Cinéaste avant tout cinéphile, Hazanavicius se cherche pourtant encore, comme si son style n'était pas encore clair dans ses intentions de metteur en scène, mais que la base de travail avait déjà été bien façonnée par une longue réflexion autour de sa cinéphilie et qu'il pouvait déjà ainsi construire un ensemble solide. Il reste certainement encore beaucoup de choses à cerner pour le cinéaste français, mais aujourd'hui, son œuvre est plus que jamais incontournable. Un objet de fascination mêlant humour et cinéma de la plus belle manière qui soit, avec justesse, créativité, rire, compréhension totale du pouvoir de l'image et surtout, l'imagination débordante d'un auteur unique. Plonger dans la filmographie de Michel Hazanavicius, c'est accepter de laisser pour une fois l'idée d'innovation cinématographique de côté pour se laisser bercer par la cinéphilie d'un auteur. Michel Hazanavicius est un cinéphile qui parle avec ses connaissances et avec son cœur pour porter haut et fort un cinéma de trip plutôt qu'un cinéma fait la va-vite, comme c'est un peu trop malheureusement le cas aujourd'hui.